Attendez, moi j'ai pas arrêté de dire que je trouvais que t'étais, t'étais le petit prince de cette Star Academy. Et je sais que ça va te faire chier que je dis ça, mais t'es la plus belle leçon de courage que j'ai jamais rencontrée. Oh, je te remercie infiniment. Voilà. Mmh. Voilà mon merci. Greg, c'est un petit peu le petit prince du château, hein. C'est ouais. Vrai. Hein. En fait, t'as la... plagiat, là. Non, mais il a la même tronche ouais. Que le petit prince. En fait. Il a une tête de bébé. C'est une tête d'enfant. En même temps, t'as tellement de professionnalisme, on dirait que t'as 20 ans de métier. Non, c'est vrai, moi, quand je te regarde sur le prime, je suis toujours bluffée. Okay, et je te regarde toujours, toutes tes petites mimiques et tout dans les yeux, et même ta lèvre qui bouge et tout, je m'en souviendrai toujours. Et à chaque prime, tu te défonces et tout, et c'est super. Même les derniers, là, où t'étais un petit peu plus fatiguée, moi, je t'ai toujours trouvé très beau. Et ensuite, et bah, je pense qu'on doit encore un petit peu se connaître. Yes. Et voilà, ça fait des bons délires aussi. Et c'est Frucci, quoi. C'est gentil. C'est quoi? Bisous, pas bisous. Merci. Et puis les petits bisous dans le cou, je les oublierai pas. Gouille. Oui, au nom de la gabelle. Ouais, je t'ai vu, t'étais seule. Grégory, c'est... même si aujourd'hui, tu vois, il est sapé comme un petit diable, c'est un petit ange. Et je pense que, au-delà de tout ce qu'il peut se dire, par rapport à tout ce qu'on sait, c'est un mec qui a réellement donné de la force ici à tout le monde. On peut baisser un peu la musique, s'il vous plaît. Donc, ouais, ce serait gentil de baisser un petit peu. Donner de la force, merci. Donner de la force à tout le monde. Et c'est vraiment un exemple bah, voilà, pour tout le monde. Je reprends un petit peu ce que tu as dit. Et je pense qu'il y a des gens qui sont prédisposés réellement à faire une carrière, sans parler de ce qui te touche plus profond de toi. Et je pense que voilà quoi, il y a des évidences. Moi, quand je te dis que quand tu chantes vraiment, et que je ne suis pas forcément en train d'écouter le même style de musique que toi tous les jours, et ben voilà, moi je sais que pour moi, t'as fait, tu vois, tu remplis bien ton rôle ici, et peu importe encore une fois ce qui se dit sur chacun d'entre nous, quoi. Donc, comme ce dont on parlait hier, trace. Okay. Voilà, petit frère. Merci, Alain. Je vais faire une promesse. Ouais. D'acheter autre chose qu'un disque de Céline Dion à la sortie. Ouais, c'est juste ça, après c'est pas très grave. Bien sûr que oui. Merci. C'était fou quoi. On dit notre nom aussi. Bah déjà je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as dit. Et sache que par rapport à la discussion qu'on a eue hier, donc comme je te l'ai déjà dit, tu m'as fait vraiment découvrir le rap d'une autre manière, comme tu as voulu en rentrant ici nous faire découvrir. Mmh. Et sache que. En tout cas, je resterai toujours un de tes fervents supporters parce que je sais ce qu'il y a au fond de toi et c'est beau. Voilà. Donc, non, mais ça déconne. Et quand je te dis je te kiffe à longueur de journée, c'est que ouais. c'est réel. Je te ouais, kiffe vraiment. C'est pareil, mec. Ouais. Ah, c'est la soirée bisous, là. On va tous chialer. Ça me touche vraiment ce que tu dis. Plombant, hein. Toi, Mathieu. Bah, toi, c'est exactement pareil. Je veux dire, je suis très touché. Par les paroles que tu m'as dites tout à l'heure, comme Arlène, comme Sandy, de toute façon. Et, déjà, je te dis un grand merci pour ton message et t'inquiète pas, j'achèterai d'autres disques de Céline Dion. Prends juste s'il te plaît, est-ce que tu peux le remettre. Et puis, sache que nous aussi, on s'est découvert un peu sur le tard, mais je pense que c'était pas plus mal parce que ça nous a permis un peu de nous observer, d'essayer un peu de connaître l'un et l'autre. Et en tout cas, moi je suis sûr et certain et j'espère du fond du cœur qu'à l'extérieur, on découvrira encore plein de choses et je pense que je souhaite de tout cœur qu'une amitié puisse naître et puis puisse progresser au fur et à mesure. Ok. Et vive l'OM. Ouais, t'as raison. Vive les écharpes de l'OM, frère. Sandy. Bah Sandy, nous on s'est découvert tard, très tard. Très tard. Ah, ça fait 2-3 semaines que vraiment on communique bien. Mais bon, je pense que le fait qu'on soit beaucoup aussi, après c'est des affinités, après le fait que je sois pas dans la même chambre, que je sois un peu mis à part et tout, bon, ça n'a pas facilité les choses. Mais sache que moi j'ai découvert vraiment une personne, comme j'ai déjà dit en interview et tout, ils n'ont pas passé, mais j'ai dit... que tu étais vraiment une battante et que vu que moi j'apprécie beaucoup ce côté-là, c'est vrai que pour moi ça me marque pas mal en toi.
Et t'es une travailleuse et que pour moi t'es vraiment en plein progrès, pour moi t'es une future grande artiste parce que bon bah t'as tout, tu progresses énormément en chant par rapport au début. Et puis n'en parlons pas de la danse, et puis la classe quoi. La classe. Wow. Non, non, mais ça déconne. La classe, c'est moi j'ai l'image de toi quand t'arrives sur le cheval et tout, c'est voilà quoi. On voit que t'arrives quoi, tout de suite on sent. Et continue dans cette voie-là parce que t'es sur la bonne voie et puis au niveau de ta pêche au niveau de la journée et tout ça, toute la pêche que tu transmets à tous les autres, parce que franchement t'as rarement des coups de barre, donc à part quand t'as tes rages dedans, mais c'est pas de ta faute. Et donc non, continue comme ça, t'es vraiment quelqu'un de bien et puis fonce. Ah merci. Merci beaucoup Greg. Non, merci pour la traite. Quoi ? C'est parti en soirée post-it. Non mais c'est bien, c'est bien. Prendre le temps de se dire les choses.